Tata Doudou ne parle pas alors que Tata Doudou s'entend très bien avec la reine mère bio. Je ne comprends pas. Si ma petite soeur s'élève, elle insulte une personne avec qui je suis bien, je vais dire à ma petite soeur d'arrêter. Parce que moi-même, je peux dire, parce que je connais beaucoup de choses dans la famille là. Hein. Je n'ai jamais vu Tata Doudou. Je n'ai jamais vu Anna Ngamba. Je voulais déjà dire Anna Ngrenga. Je n'ai jamais vu Anna Ngamba, mais je l'ai vu en main. J'ai traîné avec leur cousine. Je peux prendre l'enregistrement. J'ai dit, la reine Mère Bio, prends ça, tu fais jouer. Ça va les casser. Elle-même, Anna ne peut même plus se lever parler de toi. Mais il faut arrêter. Tata Doudou, je ne comprends pas. Quand tu ne parles pas, c'est comme si c'est toi qui as envoyé ta petite sœur insulter la reine Mère Bio. Toi, tu n'as pas de problème avec la reine Mère Bio. Tu t'entends très bien avec elle. Vous n'aviez pas de soucis. Mais ta petite sœur l'insulte, tu ne dis même pas à ta petite sœur d'arrêter. On dit que tu n'as pas le contrôle sur elle, mais tu peux dire à ta sœur, non, arrête, ne fais plus, parce que quand tu fais, c'est comme si c'est moi qui t'ai envoyé, parce que j'ai beaucoup de choses. Votre cousine m'a raconté beaucoup de choses, hein. Même quand vous avez perdu une autre cousine, la fille de votre cousine à Sens et tout, je suis au courant de beaucoup de choses dans votre famille. Je peux aussi dire à la reine Mère Bio que prends ça, tu te défends avec, parce que la reine Mère Bio m'a défendu. Pour l'aider, je peux dire que utilise ça, même les enregistrements, parce que vous, vous êtes connu. Quand on a commencé à me parler de vous, j'ai commencé à enregistrer, parce que vous êtes des gens. Tata Doudou, toi, tu es connu. Si on me parlait de quelqu'un d'autre, je n'allais pas enregistrer. Quand ta cousine a commencé à me parler, même quand tu étais enceinte de Nicolas, j'enregistrais tout. Parce que quand on te parle d'une personne que tu ne connais pas, tu n'enregistres pas, tu t'en fiches parce que tu ne connais pas la personne. Mais quand ta cousine a commencé à parler de toi, j'ai dit, c'est qui? C'est Tata Doudou de Facebook. Elle me dit, oui, c'est où j'ai commencé à enregistrer. J'étais avec elle, j'ai fait au moins une semaine avec votre cousine où je travaillais. Je suis au courant de beaucoup de choses. Il faut arrêter, Tata Doudou. Dis à ta petite soeur d'arrêter. Sinon, la reine Mère Bio va se venger avec les enregistrements. Qu'elle arrête, ce n'est pas des menaces. Toi, tu n'as pas de problème avec la reine Mère Bio. Vous vous appelez, vous parlez. Mais dis, pourquoi tu ne dis pas à ta petite soeur d'arrêter d'insulter la reine Mère Bio? J'ai vu la reine Mère Bio se défendre aujourd'hui, ça m'a fait mal. J'ai vu le direct que la reine Mère Bio a fait. Ouais. Anna Ngamba pense qu'elle est cachée. Même quand. Non, je n'ai pas envie de trop parler. Mais quand je parle, toi-même, Tata Doudou, tu comprends, il y a beaucoup de choses. Si moi-même je prends l'enregistrement, là, j'envoie à la reine Mère Bio. Elle va se défendre avec. J'ai peur qu'elle prenne. Non, je ne menace pas. Je ne suis pas en train de menacer sa sœur. Que sa sœur arrête. Elle-même, Tata Doudou, doit dire à sa sœur que non, ne fais plus ça. Parce que quand tu fais, c'est comme si c'est moi qui t'envoyais. Les gens insultent Tata Doudou, que c'est elle qui envoie sa petite sœur insulter la reine Mère Bio. J'ai vu les commentaires sur l'autre page où on a coupé la vidéo de sa petite sœur où elle insulte la reine Mère Bio. Alors que Tata Doudou s'entend très bien avec la reine Mère Bio. Les deux n'ont pas de problème. Voilà Flo qui lave Tata Doudou là-bas. Tu es incapable de te lever, laver Ngwe ici. Tu défends ta sœur. Rêve bien, il défend sa sœur. Tout le monde voit que Rêve défend sa sœur. Tu peux aussi mettre ta caméra que de perdre le temps sur la reine Mère Bio qui n'a pas de problème avec ta sœur. Tu défends ta sœur. C'est quoi ça? Hein? Je pouvais rester là dans le noir. J'ai dit à la reine Mère Bio que fais ça, fais ça, fais ça. Si tu veux pas jouer mes enregistrements, parle seulement. Si peut-être je ne veux pas qu'on ait que c'est moi qui allais donner les informations à la reine Mère Bio. Je peux dire à la reine Mère Bio que dis ça, dis ça, dis ça. Ils vont comprendre que sur eux, même sur votre demi-frère, même père. Comment il s'appelle même? J'ai même encore réécouté l'enregistrement là. Où c'est qui Ngamba? Votre petit frère. J'enregistrais ce qu'on me dit. Tout ce qu'on me disait de vous, j'enregistrais, je gardais. C'est quoi? Tata Doudou, elle n'a pas de problème avec la reine Mère Bio. Tu te lèves, tu l'insultes, tu l'insultes, tu l'insultes. Alors que toi-même, ta vie n'est pas claire. Vous vous entendez trop. Vous avez eu des problèmes ici jusqu'à aller même chez le marabout. Vous avez accusé une cousine que c'est elle qui a fait telle chose à l'enfant. Moi, je ne vais pas entrer dans ça. Arrête, laisse qu'on l'appelle à la reine Mère Bio. Elle n'a pas de problème avec ta soeur. Parce que les gens insultent maintenant que c'est ta soeur qui t'envoie l'insulter. Alors que la reine Mère Bio n'a pas de souci avec ta soeur.
Doudou est très hypocrite, c'est pourquoi je n'écoute pas. C'est quoi ça? La reine Miébu, là, il n'a pas de problème avec elle. Mais sa sœur ne fait qu'insulter, insulter, insulter. Moi, je vais envoyer l'enregistrement à la reine Miébu si elle veut jouer. Hein. Elle se défend avec. Hein. J'assume que c'est moi, puisque vous allez même entendre ma voix quand je posais des questions. Vous allez entendre ma voix. Vous avez eu des problèmes jusqu'à finir, même chez le marabout. Vous avez accusé votre cousine qu'elle a fait des choses au nouveau-né. Si ça sort maintenant, on va dire que Coco a enregistré les gens. Alors que c'est pour des trucs comme ça là que on ne sait jamais. Moi, la reine Mère Bio m'a soutenue ici. J'ai vu comment la dame m'a soutenue. On a insulté la reine Mère Bio aussi là à cause de moi. Quand je vois comment on l'insulte comme ça et que j'ai des balles pour donner pour qu'elle aussi elle puisse se défendre avec, je peux donner à la reine Mère Bio. Je peux dire à la reine Mère Bio que prends ça, tu ne parles même pas, laisse seulement couler. Tu casses toute la soeur de Tata Doudou là avec. Je demande si y en a un gamba. Je t'ai dit, la reine Mère Bio, j'ai vu le direct que tu as fait là. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est pas bien. Tata Doudou doit dire à sa soeur d'arrêter. Oui. Dis à ta soeur d'arrêter. Tu n'as pas toi de problème avec la reine Mère Bio. Parce que ça m'énerve, parce que je n'ai pas, moi-même, je n'ai pas de problème avec toi, mais je viens prononcer ton nom. Si on joue le truc, ça va t'humilier. Parce qu'il y a le nom des gens que ta cousine cite dans l'enregistrement. Elle ne savait pas que j'enregistrais. Elle ne savait pas. Elle cite le nom de beaucoup de personnes. Même votre cousine de sens. Il y a son nom qui est sorti, le nom de sa fille qui était morte. Est-ce que c'est bien? Mais il faut arrêter. Nous tous, nous avons des morts. Nous tous, on a fait des mauvais trucs ici dehors. Même si maintenant vous êtes casés et que vous avez vos... je ne sais pas si j'avais dit vos maris ou le père de vos enfants. Vous avez aussi fait beaucoup de choses. Même si c'est le passé, ça vous rattrape. Parce que c'est humiliant quand si on met un vol, on raconte ce que on écoute ce que votre cousine racontait de vous. C'est même pas une personne que c'est votre cousine même qui parle. Elle assume qu'elle est la cousine. En plus, la reine Mère Bio ne l'a jamais insultée. C'est pas gentil. Vraiment, Olivier, j'ai vu comment la reine Mère Bio était en train de se défendre là-bas. Elle a fait, ça m'a fait mal. Je suis allée écouter la petite partie chez, il y a une page là qui a posté, je ne vais même pas prononcer le nom. Je suis allée écouter la petite partie là-bas. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, Nana. Toujours en train de cogner les têtes. Quand la reine Mebio va encore commencer, si elle commence les problèmes là avec ta soeur, et ça, c'est bien, c'est pas bien. Il faut arrêter. Faut arrêter. Moi, j'apprécie Tata Doudou depuis quand on était dans le groupe de Japap Chouchou. Tata Doudou était dans ce groupe. Elle était calme dans le groupe. Elle ne gérait même pas, mais elle était là, elle écoutait tout. Elle ne parlait pas, elle était dans le groupe. Tu te lèves au lieu de répondre en gros, qui lave ta soeur, qui insulte Tata Doudou. Tu ne peux pas défendre. Voilà, Rêve, regarde comment Rêve défend sa soeur. Tu peux aussi mettre ta caméra, tu défends ta grande sœur. Tu vois, elle est incapable d'insulter Flore, mais elle. Vraiment, elle est incapable d'insulter Flore. Voilà. Parce qu'il y a des choses ici, si je vois peut-être ma personne faire quelque chose, je vais dire que non, ma, ne fais pas. Je vais dire ne fais pas. Quand le compresseur a publié les enfants de Nadège, je suppliais compresseur de ne pas faire ça. Même chez Nadège, pareil. Quand Nadège voulait faire, Tatana voulait faire que je dis que non, ma, ne fais pas, laisse, insulte le compresseur, insulte sa mère. Laisse, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Tatana a écouté, ce qui me plaît sur Tatana, quand tu dis ne fais pas, elle ne fait pas. Elle dit que ok, c'est bon, j'ai compris. Elle ne fait pas. Si Tata Doudou dit à sa sœur que arrête d'insulter la dame là, je n'ai pas de problème avec elle, sa sœur va arrêter. Laissons l'hypocrisie là qu'une personne sait que ta sœur va se lever insulter quelqu'un. Tu dis que non, tu n'as pas le contrôle sur ta sœur. Non, hein. Hey. Oh. Oh. Toi, tu dois te retirer de tout ce monde. Non, je ne dis pas ça, ma.
Quand je vois les choses comme ça qui m'énervent, j'ai seulement envie de parler. La reine Mère Bio a fait quoi? Les gens ont des trucs ici là dehors que. Vicky, bisous, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Que fais-tu ici, vieille chouette? Tu aimes détruire les gens. Oui, j'aime détruire les gens. Fiche le camp. J'aime détruire les gens. Tu aimes détruire les gens. Si je venais que faire écouter les enregistrements là ici, tu n'allais pas dire ça. Malchance. Donc, quand vous voyez comment sa sœur insulte la reine Mère Bio, ça vous plaît. Alors que la reine Mère Bio n'a pas de problème avec sa cousine, avec Tata Doudou. La reine Mère Bio a quel problème avec Tata Doudou? Si Tata Doudou dit à sa soeur d'arrêter, sa soeur va arrêter. C'est quand même sa soeur. Elle peut dire arrête ça parce que quand tu fais, c'est moi qui ai dans des problèmes. Regarde comment on insulte Tata Doudou là-bas. C'est sa soeur qu'on insulte. Les gens sont en train de traiter Tata Doudou d'hypocrite. C'est elle qui envoie sa soeur insulter. Mais. On lave ta soeur là-bas, tu ne réponds pas. C'est la reine Mère Bio qui est à pas de moins cher. Tu viens insulter la reine Mère Bio. Je vais m'asseoir sur elle comme j'aime. On va dire que. Ouais, la reine Mère Bio. Le jour où tu veux clasher sa soeur, fais-moi signe. On coupe les parties où on parle d'elle, on enlève les parties où on parle de Tata Doudou. Je peux couper, je peux prendre le temps, je coupe. Je prends mon autre WhatsApp, je coupe les parties où on parle des Anala. Oui. Vous voulez dire que depuis que ça se insulte, la reine Mère Bio, Tata Doudou ne voit pas. Tata Doudou voit bien. Elle voit comment sa soeur insulte. Elle peut dire à sa soeur d'arrêter. Oui, c'est des trucs arrangés. Cocoya, tu nous as dit que tu reviendras. Oui, après, l'enfant là ne voulait plus dormir. Elle pleurait et tout. Je ne pouvais plus revenir. Je ne pouvais plus revenir aux allées. L'enfant me dérangeait beaucoup. Et quand on entend sa voix comme ça, c'est pas bien. Les gens vont s'arranger ici que lève-toi, tu laves-t'elle. Je ne parle pas. Et quand la reine Mère Bio va s'asseoir sur, on va dire que non, c'est une femme qui aime les problèmes. Elle aime les problèmes. J'ai vu comment elle répondait à Anna là, ou c'est Anna Ngrenga. Anna et Kamba. À Kamba. Quand on va venir vous exposer ici. Les noms des gens vont encore commencer à sortir. Même votre cousine qui avait peur. Parce que c'était l'enregistrement, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps d'enregistrer. Donc, comprenez que j'ai fait 5 jours, presque une semaine avec la personne dans la même maison. J'avais le temps. Imaginez le genre d'enregistrement là. Quand elle commençait, je lançais seulement mon WhatsApp. Elle m'explique. Et c'est même personne qui s'assume, elle s'en fiche si ça sort. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est pas bien. Tata Doudou doit dire à sa soeur d'arrêter. La chance que j'ai eu les enregistrements là, j'avais déjà les problèmes avec Ngoué. Parce que si je donnais ça à Ngoué, c'est que comme elle clash la reine Mère Bio, elle clash Tata Doudou, c'est ça qu'elle allait faire écouter aux gens. Oui, Tata Doudou doit gérer ça.
C'est à Tata Doudou d'arrêter ça, de dire à sa soeur d'arrêter. Moi, j'aime bien Tata Doudou, et je n'ai pas de problème avec elle. Et... Voilà. Pour moi, tu as raison. Quand je parle avec une personne, avant-hier, je suis restée, une cousine m'a envoyé, m'a appelée. Elle m'a parlé d'une amie, que, dont une, aussi, elle m'a parlé d'une soeur, c'est aussi une soeur. Quand j'ai vu que c'était des deux soeurs et je connais la folie de celle qui m'a appelée, que non, pour elle ne part pas loin. J'ai appelé les deux, j'ai calmé, parce que je ne veux pas être au milieu, que non, il y a un problème. Ce sont mes deux soeurs. J'ai essayé de calmer. J'ai appelé l'autre, j'ai dit que non, ne fais plus ça, ne fais plus ça, parce que l'autre est fâché. Hein? C'est dire à sa soeur que ne fais plus, sa soeur va arrêter. Oh. Voilà Flo qui insulte Tata Doudou là-bas. Au lieu de défendre même ta soeur, tu ne défends pas ta soeur. Tu viens dire qu'elle laisse la famille. Elle n'a pas de famille. La reine mère bio n'a pas de famille. Elle est tombée du ciel. Quand tu dis que la reine mère bio laisse votre famille en paix, elle est tombée du ciel. Elle racole ta soeur. Pourquoi toujours vouloir humilier les gens comme ça là? Elle n'a pas de famille, la reine mère bio. Donc la reine mère bio est tombée du ciel, elle n'a personne. Je sais que quand elle va écouter ça, elle va venir me répondre. Viens me répondre. Viens m'insulter. Maman de fille. Ah, mais bien, je vais t'envoyer l'enregistrement là, c'est beaucoup. Je vais essayer de voir si je peux couper les parties. Couper même les parties, pourquoi? Pourquoi couper les parties, pourquoi? Je vais t'envoyer les enregistrements là, tu vas écouter avec le nom des jeunes gars dedans. Les avortements, tout ça, c'est dedans, c'est mélangé. Que la reine mère bio laisse les familles. On dirait que la reine mère bio n'avait pas de famille. Elle est tombée du ciel. La blabouti, bonsoir ma soeur. C'est comment ma personne? Oui, comme si la reine mère bio racolait sa soeur. C'est quoi ça? Elle, la reine mère bio n'a personne. Elle est tombée du ciel. Elle n'a pas de famille. Tu ne coupes rien. Oui. Est-ce que j'ai même le temps de couper? C'est long, hein? C'est des enregistrements. J'ai dit, j'ai fait au moins, j'ai peut-être fait une semaine avec la personne où on était. J'ai pris le temps. Vous savez, quand vous parlez d'une personne qui est connue ou la personne que vous connaissez, ça vous donne le goût d'écouter. Même quand la fille oubliait ses mains, elle disait que, hé, ma, c'est que tu m'as dit hier. J'ai dit que, hé, le monde, si. Coco Tanga. Il ne sera pas content si tu te mêles encore dans des... Ouais, ma mini coupeur. J'ai dit à Manga que je voulais faire un direct. J'ai dit à Manga que... Au sorti de ma jolie. Elle était très maladroite. Ah, elle s'appelle ma jolie. Parce que le titre qu'on a mis, la bonne amie, Anna Ngamba. Maman, Tata Doudou, la reine mère bio, c'est elle qui défend Tata Doudou. Toi, tu viens encore insulter la reine mère bio. Elle défend ta soeur. Hey. Oh. Au lieu de te lever, parler à Flore que colle la paix à ma soeur. Si tu tentes, je vais t'arrêter à Compiègne. Je vais venir te chercher qu'à Compiègne. Tu fais même peur à Ngoué. Tu ne fais pas peur à Ngoué. C'est la reine mère bio qui est à part de moins cher que tu vas te lever insulter chaque jour. Parce que quand la reine mère bio a fait le direct, elle dit même que c'est depuis des mois que la fille l'insulte. Ce coco, explique-moi s'il te plaît.
La blabouti, c'est la petite sœur de Tata Doudou qui n'arrête pas d'insulter la reine mère bio. Alors que la reine mère bio n'a pas de problème avec Tata Doudou. Nous tous, nous avons vu comment la reine mère bio était en train de défendre Tata Doudou ici, là. Elle se lève et l'insulte. Si tu as peur de Flo, calme-toi. Que la reine mère bio racole sa famille. On dirait que la reine mère bio était tombée du ciel. Elle n'a personne dans sa vie. Tanga a dit quoi? Nuella, Manga ne voulait pas. J'ai dit à Manga que nounou, j'ai fini, je te rappelle. Elle a peur de... Oui, elle a peur de Ngoué. C'est pour ça qu'elle s'attaque à la reine mère bio. C'est pour ça qu'elle s'attaque à la reine mère bio. Et je suis sûre que comme Ngoué insulte Tata Doudou, elle est déjà prête pour celle-là, que si sa soeur sort, elle va répondre. C'est pour ça que celle-là ne sort pas. Elle est calme dans son coin, elle vient attaquer, elle vient s'attaquer à la reine mère bio, de laisser les familles tranquilles. On dirait que la reine mère bio était tombée du ciel. Elle n'a personne dans la vie. Ha! À ma Facebook, je suis est. Parce que Ngoué est venu vendre la reine mère bio moins cher ici, là. Insulter la reine mère bio. Inventer les choses sur la reine mère bio. Elle va devenir blogueuse par force. Ah, elle est de la team là, eh. Ah. Vicky a fait confiance au faux profil, eh. Et ça, j'étais faux profil. Un faux profil cause avec toi maintenant. Après, le faux profil là n'est plus avec toi. Quand on va venir balancer tout ce qu'elle racontait là-bas, elle va lire le. Tu es là, c'est toi qui as une vie compliquée, bizarre, bizarre. Avec les autoroutes partout. Hein? Je vais envoyer ça à la reine mère bio. Je ne coupe rien. Je n'ai même pas le temps de tout couper ça. Oui, c'est ça moins cher. Mais Tata Doudou doit dire à sa soeur d'arrêter. C'est là-bas que j'aime voir. Bêtise. Anala est là comme ça. Elle a un passé en béton. Hein. Je dis bien en béton. Mais jusqu'à quand on me parlait d'elle, je suis seulement allée taper. J'ai dit que ah, c'est le profil, si. C'est elle ici. On dit oui, c'est elle. J'ai dit que ah, ok. Même quand sa cousine oubliait, je disais seulement que, ouais, hé, hey, maman, on peut faire ça. Donc, qui avait finalement alors appelé le mari de Tata Doudou, raconter, la fille me dit les choses. J'ai dit que, hé, hey, non, non, ouais. Bonsoir. La blabouti, c'est comment? Ça va et toi? Ça va, oh. Bonsoir à tous tes abonnés. Comment? Bonsoir à tous tes abonnés. Bonsoir à tout le monde. Tu Vous m'entends? entendez la blabouti? Est-ce que vous m'entendez? Là là, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez au moins? Ne sais pas si c'est mon téléphone. C'est peut-être ton téléphone. Hein? Ça Oh, va? c'est là qui a mis le Dieu de ce Dieu. Coco, tu ne Allô? dors pas aujourd'hui. Ouma, j'ai pas sommeil. Pardon, Coco, faut aller t'occuper des tangas. Ah! Tu Laisse ma m'entends? mini Cooper tranquille, nuit là. Coco? Oui. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. D'accord, ok. Bonsoir à tout le monde. Au fait, Bonsoir, oh. je ne sais pas ce qui se passe vraiment, mais j'aimerais juste faire comprendre à toutes les personnes qui s'attaquent à la reine mère bio que elle est assise. Elle n'a pas besoin de mendier l'amitié ou l'amour de qui que ce soit sur Facebook. Vraiment. Parce qu'elle a une famille. Mais quand je dis qu'elle a une famille, ce n'est pas n'importe quelle famille. Je dis toujours que Facebook mélange des gens.
Et le fait qu'on est sur Facebook, certaines personnes n'ont pas compris que peut-être parfois c'est un game et que parfois des gens, bon, ça nous détend un peu. Mais arrêtons un peu de mélanger des gens, au fait. Celle qui s'adresse à la reine Mère Bio, alors que c'est Flore qui l'a attaquée, je ne sais pas pourquoi elle vient s'en prendre à la reine Mère Bio qui est toujours en train de défendre sa soeur jour et nuit. Mais que cela ne, que ça la plaise ou pas, je ne pense pas que c'est ça qui va entacher, mais qu'est-ce qu'elle reste dans son coin, qu'est-ce que ça arrête, parce que moi-même, je vais la laver propre et ça ne chauffe pas. La Je reine t'ai Mère Bio n'est dit, pas seule. La alors que, reine Mère Bio, vas-y, je oui, t'écoute. je La reine Mère t'écoute. Bio, c'est une personne que elle n'aime pas l'injustice. Quand elle voit ce qui est mauvais, elle dit. Quand elle voit ce qui est propre, voilà, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça, on ne peut pas changer ces gens-là. Il faut que des gens arrêtent de penser qu'elle est toute seule. Moi, j'ai dit ça, je suis sur la toile. La personne qui la cherche, moi, je réponds à la personne. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Ce qui va arriver, si les gens veulent, ils pensent que on peut pas s'acharner sur une personne aussi comme ça. Parce que des gens Vraiment. trouvent qu'on s'acharne sur Flo, mais ils ne voient pas ce qui se passe aussi derrière. Quand celle-là se permet de venir insulter la reine Mère Bio, qu'est-ce que la reine Mère Bio lui a fait, au fait? La reine Mère Bio lui a fait quoi? Elle a un problème avec elle, je ne pense pas. La reine Mère Bio parle à sa sœur. Pourquoi elle ne va pas répondre à Flo? Elle a peur de Flo, alors. Mais si tu as peur de Flo, ferme donc ta bouche, tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Ne t'acharne pas sur elle parce qu'elle ne te voit pas. Je ne sais même pas comment elle s'appelle. Hein. Franchement, je reprends parce que ça me saoule, au fait. Elle s'appelle Franchement. Anna et Gamba. Ah, Je t'ai d'accord. Ok, dit. oui, j'ai vu un peu le live de la reine Mère Bio tout à l'heure. Elle a prononcé son nom. D'accord, je vois un peu. Mais attends, reste dans. Je ne sais pas, j'ai ta vie. Si tu n'as rien à dire, reste tranquille, d'accord? Et Anna Ngamba, je ne sais même pas d'où tu sors, je ne veux même pas savoir qui tu es. Tu peux défendre ta sœur, mais si tu veux défendre ta sœur, défends ta sœur face à ton adversaire. Défends ta sœur face à la personne qui insulte ta sœur. Voilà. Ça ne sert à rien de venir là, faire des lives, tu t'en prends à la reine Mère Bio, parce qu'elle n'est pas responsable de tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive là, on connaît qui est responsable. On connaît la genèse de A à Z. Et je vais toujours dire, la reine Mère Bio, aïe, on va la soutenir, comme on a soutenu Coco, comme on soutient toutes les personnes qui soutiennent Coco, et ça ne chauffe pas. C'est comme ça. Aujourd'hui, tu te mets à l'insulter, mais tu sors d'où? Tu sors d'où? Elle ne te voit pas. Et elle t'a dit dans son live que tous les jours, tu l'insultes par rapport à quoi? Peut-être avec ta soeur, tous les jours, en train de dire que non, elle défend ta soeur et ta soeur la soutient. Mais pourquoi est-ce que Doudou elle-même ne dit pas à sa petite soeur d'arrêter? Voilà, c'est ce que je ne comprends pas. Pourquoi Doudou elle-même ne peut pas dire à sa petite soeur qu'arrête d'insulter la reine Mère Bio, sachant très bien que la reine Mère Bio la défend tous les jours? Mais finalement, c'est quoi? Elle joue à quoi? À un moment donné, il faut arrêter. Si quelqu'un est avec toi tous les jours et que toi, de ton côté, tu ne peux pas l'ouvrir pour défendre cette personne, ben, que la reine Mère Bio arrête de la défendre également. Comme ça, chacun va être dans chacun fera face à son problème avec Flow X ou Y, je veux dire. Donc, c'est énervant, quoi. Mais bon, de toutes les façons, comme tu as dit, envoie le truc à la reine Mère Bio, Je qu'elle vais puisse envoyer à la s'acharner. reine Mère Bio. Elle va aussi se défendre avec. J'assume devant, Mais bien sûr. j'assume sur Facebook que c'est moi qui vais envoyer ça à la reine Mère Bio. Elle aussi, elle va Bien se sûr. défendre avec. Ben Parce que la bien reine sûr. Mère Bio ne connaît rien de celle-là. C'est pas possible. Tu peux te lever, tu te mets à insulter une personne. Pourquoi? Elle t'a fait quoi? Elle t'a cherché quoi? Elle a pris qui dans ta famille? Elle a une grande famille et sa famille, c'est parce que ben des gens me font rire. On ne vient pas ici parler des familles. Si tout le monde veut me parler de sa famille, mais c'est très grave. Non, non, la reine Mère Bio est Ce n'est tombée du pas ciel. Elle tombé n'a du ciel. personne. Ce n'est Jusqu'à pas. dire que la reine Mère Bio colle la paix à sa famille. Comme si la reine Mère Bio Personne, n'avait la pas reine aussi de Mère Bio, famille. elle ne Hein. va jamais coller je suis là avec la reine Mère Bio, Balata sur Facebook, j'ai dit ça. Que ça plaise ou que ça déplaise, je suis là avec elle. C'est comme ça. Tout ça là, c'est parce que Doudou, si Doudou elle-même prenait son rôle à main, ceci n'allait pas arriver. Parce qu'en fait, elle joue à un double jeu. Disons-nous la vérité, Tata Doudou joue à un double jeu.
Si par exemple aujourd'hui, moi, Coco, je sais que tu es avec moi, tu me défends tous les jours, et qu'il y a une personne qui sort d'ailleurs et qui vient m'insulter, et toi, tu vas lui dire que mais non, n'insulte pas, je vais lui dire que mais non, n'insulte pas Coco, parce que Coco me défend tous les jours. Je dis Bonsoir, que Nico. je suis en direct et que je vois qu'une personne vient même insulter, même la reine mère bio chez moi.